La plage, c'est qu'un beach. Mais on n'est pas à la plage du tout ici, on est dans un théâtre. C'est un théâtre? Oui, c'est un théâtre, c'est un théâtre. D'ailleurs, place au théâtre. Je sors ma fiche, un animateur s'en fiche, ce n'est rien. Et je vais vous parler de notre première... It's hot, George. Oui, c'est très hot, de cette grande soirée, de la première grande vedette. À 30 ans, il monte à Paris, aujourd'hui, il descend à Cannes. Bien sûr, c'est Jean-Marie Bigard. Allez, viens, viens. En quelque sorte, ce soir, nous allons faire un radio-crochet. Nous avons choisi au hasard, dans la belle ville de Cannes, un petit jeune qui débute. Comment tu t'appelles? Jean-Marie. Tu habites la ville? Oui, la ville, oui. Qu'est-ce que font tes parents? Il y a plein de maisons et tout. C'est ça. Qu'est-ce que font tes parents? Rien. C'est moi qui travaille. I love you, jeune gars. Alors, qu'est-ce que... Oui, ça c'est bien. Non, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me proposes alors I get chocolate, strawberry, coffee or roast beef. Roast beef Roast beef ou roast Allez, beef Allez, un roast beef. Roast beef for you. Mais alors bleu, hein. Blue roast beef, ok George. I got roast beef here. It's ok George. Yeah George, have some roast beef. It's good George. Merci Django, c'est très sympa. On connaît le nom, bien sûr, de son dernier spectacle. Son spectacle s'appelle Reviens. Il revient pour vous, rien que pour vous. Veuillez l'acclamer, monsieur Pierre Palmade. En bouche un coin-coin. George! Don't? No, George. Don't do that! I'm not gonna do it. George, you're getting burnt, George. Mesdames, miss... George, you're getting burnt all over. George, you don't want to get burnt. I love you, George. Comme vous le savez, dans le... Don't want you to get that sunburn, George. Veuillez les acclamer, ils le méritent. Voici Charlie et Dino. Ok, oui. Attendez. Arrête. George Belair. George Belair, c'est moi. I love you, il m'aime. I'm going to throw this ball in the air. Il va lancer cette balle en l'air. And George Belair is going to catch that in his forehead. Et je vais rattraper la balle sur ma figure. George, you ready? Yes, I am ready. Un, deux, deux, trois. Oh, sorry, George. Are you crazy? I'm sorry, George. I'm... That's it. Pas grand chose, hein? Vraiment pas grand chose, c'est deux petites balles, deux petites boules de pétanque. Alors nous allons maintenant pouvoir applaudir des grands du musical. George, what? Oh, thank you. That night, Django. What is for me, George? Stand up, George. Stand up. Hey! Mesdames, messieurs, ce soir, une fille fantastique. C'est moi? Plonger, premier mes têtes, into this glass of water. La plonger la tête dans le verre. Oh non, oui. Hold it, George. Oui. Oui.
Django Edouard.